Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur mes avancées. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Il n'y a eu que des imprévus hier. Que. Mais bon, c'est pas grave. Donc, hier soir, après manger, j'ai pris le gilet de... du crochet d'Elsa qui a mis le tuto sur sa chaîne. Donc là j'ai commencé à, j'avais fermé les manches et j'ai fait 3 rangs, et là on va changer de point. Donc il faut que je rajoute, j'avais dit combien, 3 5 mailles. Donc je vais faire des augmentations, tuk tuk tuk, 1, 2 et 3 derrière. Voilà, donc ça je vais essayer de faire ça aujourd'hui, mais ça je le prends après manger en principe, si j'ai bien avancé le pull. Alors le pull, j'ai incorporé mon fuchsia. Donc, j'ai 1, 2, 3, pardon. Ah ben, il est là mon crochet que je cherchais partout. J'ai cherché une vidéo pour pas qu'il y ait de démarcation. Et en fait, quand j'ai demandé à Sandrine, elle m'a dit, ben moi, je change de couleur directement. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il allait avoir une démarcation. Mais non, 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 j'ai coupé mon fil. Je l'ai rentré en crochetant, vous voyez là à l'envers, on le voit. Désolé, voilà, le rose et le violet doivent être en dessous, mais de ce côté, attendez, tac, et de ce côté-ci, on voit rien. Ah, si, on voit un petit, c'est quoi ça? Non, ben non, je sais pas, je ne sais plus. Bon, de manière, c'est en dessous du bras, ça se voit pas. On s'en fout. Voilà. Donc, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait 3 rangs. 3 rangs sur mon gilet. Donc là, il faut que j'en fasse encore une quatrième en fuchsia. Et après, je reprends le violet, celui-là. Je ferai 3 rangs et je reprendrai le fuchsia. Donc, à voir combien je vais faire. 2 rangs aujourd'hui, mais j'aimerais bien le prendre deux fois aujourd'hui. On verra bien. Et après, la seule et unique broderie que j'ai faite, c'est la toile printemps. Attendez, je vous dis pas de bêtises. J'ai rien touché. Le problème, c'est que j'ai reçu des colis, donc j'ai dû faire des unboxing. Et ben, tant de les faire, tant de les programmer, machin. Plus les imprévus qu'il y a eu, mon fils est rentré, donc on a discuté. Ça faisait 4 jours que je ne l'avais pas vu, donc forcément, on a discuté. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Mon mari qui est rentré, on a discuté. Alors, il a été faire sa sieste et après, il est revenu. Mes vidéos ont été faites, tout le temps des programmes et tout, faire à manger. C'était pas une journée avec moi hier. Donc, hier soir, après manger, j'ai fait donc mon gilet moutarde et après, j'ai commencé à finir. Alors, est-ce que celui-là, il était fini ou pas? Alors là, j'ai un trou dans le papillon. Il faut que j'aille voir ce patron. De l'autre côté, il n'y a pas de trou. Et là, j'ai hâte de le voir. Est-ce qu'il y a une couleur? Alors, le papillon... Ah ben non, tout est pris. Donc, c'était dans la... deuxième
Et c'est dans 1, 2, 3, 4 au cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. C'est du petit 2. Et c'est du jaune. Ok. Donc celle-là, il faudra que je la rajoute. Et le petit 2, c'est un carré bleu. Mais je vois pas de carré bleu. Hein. Ah, mais je les ai pas fait, les carrés bleus. Et ni les violets. Non, c'était dans le premier déjà. Alors, dans le premier, 1, 2. Non, tout est pris. Donc, il y a deux jaunes, un J. Un jaune, un J, un 2, un J. Donc, J, 2, J, 2. Il y a deux. Donc c'est le J. Et le J, c'est du 19. Le 19, c'est cette couleur-là. C'est un jaune moutarde. Donc faut pas que j'oublie de le refaire, autrement je le ferai après le bain. Et après, ben, j'ai pas pu finir mon papillon, mais ce que j'ai fait, comme il me restait de la couleur dans le papillon, comme le jaune moutarde, j'ai fait ici, que je me souvienne. J'ai fait un peu de rond noir ici. J'ai fait les pétales ici en 15. Je crois que j'en ai fait un petit peu ici. Ouais, donc aujourd'hui, impératif, faut que je finisse ce papillon. Donc le violet foncé, le bleu. Et comme il va me rester du bleu, j'aimerais bien faire les pétales. Les pétales comme ça. J'avais dit que je voulais finir le vélo. S'il me reste deux, trois points à faire là, trois couleurs différentes, je vais finir le papillon et je vais essayer de finir le vélo. Faut pas que j'oublie de me dire, faut finir le vélo. Comme ça, après, il restera encore pas mal de temps. On a jusqu'au 20 juin pour le finir, je crois. Il me semble hein, que c'est le 20 juin, le 20 ou le 21 juin, le jour de l'été. Jour de l'été 2024. Dans l'hémisphère nord, l'été commencera le jeudi 20. 20 juin. Ouais, donc on a jusqu'au 20 juin pour la finir. On va essayer de mettre le turbo. Cela, je l'ai pris 2 heures hier, mais j'étais fatiguée à 11h30. Plus moyen de faire quoi que ce soit. J'étais au coucher, j'étais. Mais j'ai très très mal dormi cette nuit, donc aujourd'hui ça va être compliqué. Donc je voudrais finir, ben, pas finir la toile, mais avancer dessus pour que, ben, que au moins le papillon et le vélo soient finis. Donc je ne sais même plus combien de fois j'ai travaillé 2 heures dessus parce qu'on a regardé avec mon mari hier soir à ce pays. On a regardé qu'un épisode parce que le deuxième c'est à vue. Donc je vais faire ça, ça, la toile là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de rendre. Est-ce que j'ai repris la toile? Il ne semble pas hein, que je l'ai reprise parce que c'est la 12 en plus. Et la 12 elle est décalée. Non, j'ai rien fait du tout. Du tout, du tout, du tout. Ouais, j'ai rien fait. Donc j'aimerais bien la prendre celle-ci. Avec les fils soyeux, avancer la toile au moins une partie. Donc c'est le défi de Zaza, l'événement de Zaza, papillon et fleurs. Voilà, bah écoutez, ça sera une petite vidéo hein, parce que bah, j'ai pas avancé hier, mais pas du tout. Ça m'embête, mais c'est comme ça, hein. Pas de stress. Ah oui, puis après j'ai communiqué avec Didine. Vous avez dû voir mon unboxing,
Donc on devrait le commencer lundi. Parce qu'elle a une toile, elle voudrait la finir avant. Il ne reste plus grand-chose. Donc lundi, on commence le duo. Et c'est un duo sans stress. Donc il faut que je fasse aussi la vidéo pour le 20. Ben, faut que ça sorte. Parce que là, on est quoi, le 17? Ouais, on est le 17. Le 17, et ça tombe quand? Le 20. Le 20, ça tombe lundi férié. Ouais, ben, faut que je la fasse aujourd'hui, j'ai pas le choix pour la programmer. Et allez, c'est celle de Noël que je fais en duo avec ça c'est en duo avec Mélissa, Mélissa, Mélanie. Celle-là. Donc, il faut que j'avance ça et ça. Mais je crois que je ne ferai pas les. Le backstitch parce qu'on le verra pas. À voir quand à voir quand après au lavage, mais je crois que les carrés sont plats ici et le backstitch, ben on verra pas. On regarde. Je crois que j'ai perdu mon ah non, les petites là, ils verront peut-être. Donc je ferai que cela, mais ici j'en ferai pas. Est-ce qu'il y en a ici ou pas? C'est vrai qu'il y a certains points de certains points verts qu'on voit pas en fait. On se casse la tête à le faire, mais on les voit pas. Donc celle-là encore, ça devrait être bon. Et celle-là à l'intérieur, je ne pense pas. Celle-là, oui, ça peut être faisable. Ouais, mais à l'intérieur ça sert à rien. Bon, je verrai ce que ça donne. Mais j'ai rien fait. Je l'ai encore pas commencé, donc j'ai intérêt de me dépêcher. Ce voyez là, on voit pas les points de croix, les points arrière sur là-dessus non plus. Comme c'est une 14 CT et que le point arrière on le fait en un brin, ben on voit rien du tout. Donc on perd du temps à faire le point arrière, surtout que c'est pas ma tasse de thé. Et bon après, on n'a pas beaucoup de couleurs là-dessus, c'est pas mal. On n'a que cette couleur, donc voilà. Donc, je vais vous préparer ça pour lundi. Je vais essayer de l'avancer, puis à la fin, bah, je vous ferai une vidéo. Donc, si ça va pas, bah, ça va pas. Si c'est comme là, ça va être le week-end, mon mari est là. Ça va être compliqué, j'irai peut-être la faire au bureau. Comme ça, je serai tranquille, quoi. Je n'aurai pas besoin de lui dire que tu regardes pas la télé ou tu montes à l'étage, tu vas faire ce que tu veux, mais tant que faire ma vidéo, non. Je pense que je la ferai au bureau et puis comme ça, on est tranquille. Donc, objectif pour aujourd'hui. Avancer le pull et gilet en crochet. Avancer celle-là, au moins la moitié. Faire un petit peu de la case 12. En fil de soie, finir le papillon et le vélo. Ça sera déjà pas mal. Bon là, j'ai que d'estampé, j'ai même pas du point compté. Ouais, bah, je verrai ce soir ce qu'on fait, ce qu'on regarde. Parce que ce soir, on regarde pas la télé, il n'y a rien qui nous intéresse. Comme c'est ma... Comment que c'est le truc là, avec les masques là. Masque Singer, je sais pas quoi. On regarde pas, ça nous gonfle. Donc, je voudrais finir le papillon, le vélo et peut-être un peu, comme j'aurais du bleu, commencer à finir la bande là. Comme c'est un fond jaune, c'est le bleu. Donc, on va essayer. Voilà. Donc, voilà pour mes objectifs. Bon, ben, 15 minutes, c'est déjà pas mal. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à demain. Portez-vous bien. Je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est la débandade. Il pleut, il pleut, il pleut.
Ce matin, j'ai dû rallumer le chauffage tellement qu'il faisait froid. Bah, l'humidité, elle rentre. Alors, ça fait 3 jours là qu'il pleut, on en a marre, quoi. Mais bon, apparemment, on n'a pas fini avec le temps. Donc, bah, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée suivant à l'heure que vous avez regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.